Professeur Rancière, je vous remercie beaucoup d'être ici à l'UNAM pour la première fois et je vous remercie beaucoup aussi d'avoir accepté cette petite rencontre avec nous pour parler de quelques sujets qui nous attirent aux philosophes et aussi aux Mexicains dans ces circonstances où l'on passe maintenant la ville du Mexique, du Mexico. Par rapport à ça, la ville de Mexico vous accueille avec beaucoup d'actions, des actions qui vous intéressent beaucoup. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ces actions, sur les gens qui vous avez déjà regardé sur la rue, en train d'aider aux autres? Oui, je ne suis pas suffisamment compétent pour me rendre compte véritablement de ce que cela représente, mais bon, je suis bien sûr frappé disons du souci que les gens ont ici, des victimes, des survivants et de tout le drame qui a été vécu par tellement de personnes ici, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me frappe surtout, c'est justement cette espèce de spontanéité du désir d'aider, et notamment chez les jeunes, notamment chez les étudiants, puisque les étudiants ont voulu un peu arrêter les cours pour porter secours. Donc je crois que c'est quelque chose qui, pour moi, est significatif, parce qu'on a toujours tendance à considérer notre monde présent aujourd'hui comme un monde où les gens sont complètement individualisés, ne s'intéressent pas les uns aux autres. Et moi, je suis frappé par le fait que, d'une certaine façon, les gens s'intéressent plus aux autres de manière spontanée qu'il y a 30 ans ou 50 ans. Pourquoi ? Parce que à l'époque, on était souvent pris dans des structures collectives qui prenaient en charge la solidarité, quoi. Et maintenant, il y a eu une assez vaste destruction, souvent, de ces structures collectives qui faisaient que les gens étaient en communauté, qu'ils étaient solidaires. Et par conséquent, la solidarité tente à prendre beaucoup plus justement l'aspect d'une sorte d'action que les gens décident par eux-mêmes, sans qu'il y ait d'organisation qui y pousse. Et donc je crois qu'il y a un peu un rapport entre ces manifestations de solidarité spontanée et puis les mouvements aussi de protestation, eux aussi spontanés, qu'on a pu voir ces dernières années dans les places, quoi, dans beaucoup de places du monde. Je crois que voilà, il y a comme une espèce de changement peut-être de la forme même du militantisme, que ce soit un militantisme de la protestation ou un militantisme de l'aide aux autres. Oui, d'accord. Je veux parler des actions parce que vous préférez, il me semble, dans vos livres, de voir plutôt les actions que les institutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les hiérarchies, il ne faut pas regarder c'est ce qu'on peut faire autant que lecteur d'un pays, oui. Mais les actions qui sont à part ça, à part les institutions, à part les moyens d'État. Et donc, il me semble que vous êtes assez au courant des mouvements, par exemple, de Syriza, de Podemos, oui. Nuit debout. Mm. Et est-ce que ces actions, ils sont dépuisés ou ils sont plutôt là en attendant que quelque chose lui arrive pour faire un changement de hiérarchie, un changement de possibilité de vie, quoi? Je crois qu'on est dans une situation qui est effectivement une situation un peu instable, on ne sait pas très bien ce que l'avenir sera, mais c'est sûr que bon, il y a, une sorte de méfiance et d'écart assez grand vis-à-vis de toutes les formes d'action qui passent par l'État, mais aussi qui passent par les institutions traditionnelles, y compris par les partis qui se veulent eux-mêmes révolutionnaires, quoi. Je pense qu'on est dans une situation où les forces de la protestation sont des forces qui cherchent une autonomie, qui cherchent justement à retrouver des formes de liens, des formes de communautés qui ont été un petit peu perdues, comme je le disais tout à l'heure. Quand on était jeune, il y avait, dans mon pays par exemple, des partis d'opposition importants, il y avait des syndicats ouvriers, étudiants importants. Maintenant, tout ça a plus ou moins effiloché, c'est devenu pas grand-chose, quoi. Et en plus, je crois que véritablement, la confiance véritablement dans des partis, y compris des partis dits révolutionnaires, a changé le monde, on s'est quand même considérablement affaibli, sinon réellement effondré, quoi. Et par conséquent, les gens ont conscience que
fond, c'est à partir du fait qu'ils descendent eux-mêmes dans la rue, à partir qu'eux-mêmes ils prennent des initiatives, que peut-être un changement va arriver. Alors, à partir de là, on est dans une situation qui est quand même très, très équivoque. Bien sûr, des gens arrivent sur une place. Ça peut être la Puerta del Sol à Madrid, ça peut être la place Sintagma à Athènes, Gezi Park à Istanbul, la place de la République à Paris. Et bien sûr, il y a comme une espèce d'affirmation qui en elle-même est un peu son propre sens, quoi. Si vous vous souvenez de ce que disait Karl Marx sur la Commune de Paris, Jean disait, mais la Commune de Paris, c'était pas vraiment socialiste, elle n'a pas pris de mesures sociales. Et Marx répondait, mais sa principale mesure, c'est son existence même, quoi. Et là, on a un peu cette même chose, en quelque sorte, à savoir des mouvements dont l'importance est l'existence même, le fait qu'ils s'installent en un lieu, qu'ils y créent leurs assemblées, qu'ils y créent déjà des formes un peu de vie communautaire. Voilà, bon, c'est déjà quelque chose qui est important. Alors après ça, bien sûr, on ne sait pas très bien quoi faire, quoi, parce que même une assemblée, moi j'ai vu des assemblées de Nuit debout à Paris, c'est sympathique parce que tout le monde peut parler, quoi. Mais d'une certaine façon, la démocratie, ce n'est pas simplement le fait que tout le monde parle, qu'on donne 3 minutes à chacun. Et là, à Paris, place de la République, il y avait une personne qui venait parler du marxisme, une personne qui venait parler des problèmes des immigrés, une personne qui venait parler de toutes sortes de choses, de la défense et des droits des animaux, que sais-je. Mais bien sûr, c'est un peu une caricature de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement le fait que tout le monde parle à son tour, c'est le fait qu'on essaye d'inventer des formes d'action. La difficulté, je pense, c'est d'inventer des formes nouvelles d'organisation politique qui s'inscrivent dans le temps, mais qui en même temps ne s'inscrivent pas dans le temps qui est celui des élections. On a un peu l'impression qu'on construit toujours la situation comme s'il y avait ou bien les mouvements éphémères, voilà, on sort dans la rue, on proteste, on fait une occupation, et puis la vraie politique qui serait les partis et ainsi de suite. Et bien sûr, on a vu après les mouvements des places, des occupations, notamment en Europe, des partis comme Podemos, comme Syriza, qui essayent de canaliser un petit peu l'énergie de ces mouvements pour créer des nouvelles organisations. Mais la question est de savoir à quoi servent ces organisations, quoi. Est-ce que c'est pour avoir un peu plus de députés et avoir occupé une place institutionnelle en Europe en ce moment, avec l'effondrement des partis de gauche, le fait que les partis de gauche et les partis de droite ont à peu près le même programme, quoi. Il se crée une espèce d'espace, quoi, d'espace de gens qui sont un peu la gauche de la gauche, quoi. Mais à quoi sert cet espace, quoi ? Est-ce que cet espace sert à véritablement impulser des formes de démocratie nouvelles, c'est-à-dire des formes d'invention collective nouvelle, ou simplement à occuper une place qui est disponible ? Je crois que c'est ça un petit peu le problème aujourd'hui. Parce que les places en soi, il n'y a pas un but au départ. C'est-à-dire que les gens, ils l'occupent et ils font des choses. On espère que ça sera des choses qu'on n'attend pas. Mais j'aimerais bien faire une allusion à ce que vous dites sur le populisme, sur la création, les concepts du peuple. Oui. Vous dites, pour qu'il ait insurrection populaire, il faut qu'il ait du peuple, c'est-à-dire un sujet politique. Dans les circonstances actuelles en Europe et aussi, je peux dire, en Amérique latine, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura des insurrections ou qu'il n'y aura pas des insurrections justement parce qu'il n'y a pas un peuple ? Et si vous pouvez nous expliquer un petit peu votre concept de peuple ? Oui, non, le passage que vous citiez répondait tout particulièrement, à une demande qui m'était faite et qui portait un petit peu sur la Révolution française de 1789. Donc, c'était un peu spécifique. C'était pour dire qu'il ne suffisait pas qu'il y ait des gens qui soient dans la rue et qui soient violents, même qui prennent la Bastille, pour que ça ne suffit pas en un sens, quoi. C'est-à-dire, la notion de peuple, et c'est une notion politique. Ce que j'essayais de dire, justement, ce qui me paraît important, c'est que, On a tendance, et surtout avec le système représentatif en vigueur, à considérer que le peuple, c'est la population. C'est-à-dire, on dit qu'il y a le corps électoral, il y a tant de millions d'électeurs, et ça, c'est le peuple.
c'est-à-dire qu'on identifie peuple et population. Ou bien, bon, il y a des gens qui disent, mais le peuple est le peuple opprimé, le peuple souffrant, c'est-à-dire, bon, les plus pauvres, et ça, c'est le peuple. Mais ça n'est pas vrai. Je crois que le peuple, si on pense politiquement en parlant, le peuple, c'est précisément, c'est pas quelque chose qui existe, qui est donné. Le peuple, c'est quelque chose qui se construit à travers des séries d'actions, à travers aussi des institutions, quoi. Et au fond, le problème de ce qu'on appelle populisme aujourd'hui, c'est que c'est une notion très très équivoque, quoi. Parce que, bon, très souvent, ce qu'on appelle populisme, c'est l'attitude de gens qui disent « Ah, mais il y a les élites qui ne s'occupent pas du peuple, les partis au pouvoir qui, finalement, alternent sans s'occuper de la population. Mais nous, on représente le vrai peuple, quoi. » Alors, bon, en France, on a un parti d'extrême droite, le Front National, voilà, mène son action électorale sur cette base-là en disant « Ah, le vrai peuple, le peuple silencieux, est méprisé, nous les représentons. » Mais bon, le peuple, c'est pas ce qu'on représente, le peuple, c'est ce qu'on crée. Et même le système électoral crée une certaine sorte de peuple. Bon, le système électoral qu'on connaît, représentatif, bon, ben, crée un peuple qui, tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 6 ans, délègue son pouvoir, dit maintenant, bon, ben, c'est fini, quoi. Alors, il est bien évident que si on essaie de penser un peu fortement la notion de peuple, il faut penser des formes d'activité. Aucune forme d'activité d'activité politique ne peut impliquer des millions de personnes à la fois. Ça n'existe pas, quoi. C'est pour ça que je dis, moi, ce qui construit un peuple, au fond, ce ne sont pas des actions où forcément il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais ce sont des actions qui partent d'un principe d'égalité, c'est-à-dire d'une capacité qui est partagée par tout le monde, parce qu'au fond, tous les systèmes dominants sont des systèmes où on suppose que y a des gens qui savent et puis des gens qui ne savent pas. Et au fond, tous nos systèmes sont fondés sur cette idée-là, à savoir, bon, il y a une masse d'ignorants, il y a une masse de gens qui ne savent pas s'occuper des affaires, et puis il y a quelques personnes, il y a une élite qui est capable. Alors, je crois que la démocratie, c'est d'abord une manière de refuser cette espèce de postulat, et c'est donc une manière d'essayer de mettre en œuvre une capacité qui est une capacité qui est partagée par tout le monde, qui n'est justement pas la capacité des spécialistes, pas la capacité des économistes ou des sociologues ou des politiciens professionnels, mais des intellectuels, mais la capacité de tous, quoi. Et ça, par rapport à ça, je crois que le concept de populisme est un concept extrêmement équivoque, quoi, parce que d'un côté, on sait qu'il s'est créé récemment, quelque chose qui s'est appelé le populisme de gauche, quoi. Alors, le populisme de gauche, ce qu'on appelle comme ça, c'est quelque chose qui est à la jonction de deux logiques un peu contradictoires, quoi. Il y a une première logique qui consiste à dire, bon, ben, on n'est plus dans une situation où il y avait des forces sociales constituées du genre mouvement ouvrier, auquel on confiait la direction de la lutte populaire, quoi, avec un programme, avec toute une organisation, toute une pensée un petit peu de la vie collective, quoi. Par conséquent, il faut recréer justement une forme de peuple, c'est-à-dire le peuple actif, qui vienne un petit peu à la place de ça. Et à ce moment-là, bon, on pense justement à toutes les formes de capacités qui se sont manifestées dans les mouvements d'occupation, les mouvements des places. Et à ce moment-là, on essaye de dire maintenant, donc, au fond, le populisme de gauche, ça veut dire qu'on crée comme une espèce de peuple qui est un peuple qui est pluriel, qui n'est plus un peuple justement un petit peu conçu de manière monolithique à l'ancienne, quoi. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, qui est beaucoup plus contestable, c'est au fond la volonté de ces populismes dits de gauche de se mouler dans l'espèce de vision un petit peu officielle, à savoir il y a les élites, il y a le peuple souffrant vote pour l'extrême droite, on va les arracher à l'extrême droite. Voilà. Alors là, on pense en termes de clientèle électorale, quoi, si vous voulez, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je crois que ce qu'on appelle populisme aujourd'hui est véritablement quelque chose d'extrêmement confus, qui essaye de mettre ensemble deux logiques qui sont des logiques réellement opposées. D'accord. Oui. On a le cas des élections aux États-Unis. Oui. Donald Trump gagne les élections en convainquant les électeurs que finalement celui qui va leur répondre leur satisfait leurs besoins.
C'est-à-dire, c'est le, pour moi, je pense, c'est le populisme de ce qu'on appelle de droite. Oui. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi c'est son efficacité? Parce que finalement, Trump, il a gagné les élections. Et maintenant, bon, on a un gros problème. On est tout près des États-Unis, le Mexique. Ça, c'est déjà compliqué. Mais bon, il commence à faire des actions, oui, disons, dangereuses. Oui. Il va combattre le Rockman, oui, en Corée du Nord. Et il va mettre un mur, si ce n'est pas qu'il l'a déjà, au nord du Mexique. Et c'est-à-dire qu'il fait tout pour défendre ces gens qui ont voté pour lui, ces gens qui étaient déjà oubliés par le Parti démocrate. Mais ils ont, d'une certaine manière, ils ont cru à lui, à ses paroles. Je me rappelle que dans l'entretien que nous avons eu à Paris en 2014, vous avez dit, il y a eu beaucoup, il y a toujours eu de belles paroles, mais il n'y a presque jamais des gens qui ont cru à ça. Et est-ce que maintenant, la population des États-Unis, ils ont cru à ces belles paroles qui venaient de Trump? Écoutez, bon, pour la question de Trump, bon, est compliquée. La question de Trump, effectivement, on peut dire qu'on arrive à un point où le suffrage, ce qu'on appelle le suffrage universel, arrive finalement à devenir quelque chose comme une espèce de un peu de conte fantastique, quoi. Finalement, justement, on parle toujours d'enracinement dans la réalité, et en même temps, tout devient de plus en plus, je dirais, un peu comme une espèce de cauchemar ou de conte un peu fantastique, quoi. Cela dit, bon, moi, je voudrais quand même réagir sur un point. On a toujours tendance à dire, justement, Trump, les populistes, Trump et ces gens comme là gagnent parce qu'ils représentent une population qui a été oubliée, qui a été délaissée. Alors, bon, c'est tout à fait évident que, disons les démocrates, bon, les démocrates, pour la majorité, bon, ce sont des gens, effectivement, qui sont à partie de pouvoir, ils s'occupent de gérer le pouvoir, bon, mais les républicains aussi, si vous voulez, les républicains massivement aussi. Donc, mais je pense quand même qu'on a trop tendance à penser que le succès de Trump, c'est lié au fait qu'il représenterait une Amérique profonde, ce qu'on a appelé les white trash, n'est-ce pas, les ouvriers qui ont perdu leur emploi, tous ces gens comme dans le Michigan, par exemple, qui travaillaient pour Ford, pour les grandes entreprises qui maintenant sont plus rien. Bon, mais voilà, mais on oublie quand même que malgré tout, Trump, c'est pas simplement ça qu'il représente. Hein. Il représente une Amérique de gens qui sont pas forcément pauvres, mais une Amérique de gens mais qui sont bon profondément ont le sentiment d'être, disons, des vrais Américains. Hein. Bon, qui malgré tout sont pas tellement, disons, justement le fond du panier, mais qui sont des gens qui bon pensent qu'ils ont une sorte de supériorité naturelle, bon, sur les autres, quoi, bon, sur les noirs, sur tous les immigrants du Mexique et d'Amérique latine. Donc je crois que bon, il y a aussi toute une série de gens, bon, qui sont des propriétaires qui ont le sentiment qu'ils sont chez eux aux États-Unis, qui ont le sentiment qu'ils représentent le monde des gens qui ont réussi. Il n'y a pas que les pauvres et les malheureux qui ont voté pour Trump, parce que sans ça, il n'aurait pas tellement de voix. Hein. Il y a toute une Amérique qui au fond, est contente d'elle-même, contente d'un monde qui, justement, est un monde quand même très, disons, très anti-solidaire, précisément, quoi. Si on peut penser quand même au rôle qu'a eu la question de la sécurité sociale, hein. Donc l'Obamacare dans les élections, quoi. C'est-à-dire que bon, je pense pas que ce soit nécessairement, si vous voulez, disons les ouvriers qui ont perdu leur travail, disons, qui soient les plus sensibles à ça, quoi. Les gens qui sont sensibles à ça, c'est les gens qui pensent que la sécurité sociale, qu'on aide les pauvres, etc., à se soigner, bon, c'est pas bien, quoi. Il y a en ce moment un peu partout dans le monde et justement souvent pas du tout chez les plus pauvres, mais chez les gens aisés, une espèce de haine de l'égalité, quoi. C'est-à-dire que au fond, il y a des gens qui supportent plus qu'on dépense collectivement, bah, pour aider ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, quoi. Il y a des gens qui pensent que dépenser de l'argent pour l'école publique, c'est pas bien. Dépenser de l'argent pour les
pour des hôpitaux, pour les soins aux gens qui en ont besoin, ben, c'est pas bien, quoi. Ces gens-là ont gagné assez d'argent pour pouvoir payer les études à leurs enfants, pour pouvoir payer des assurances pour être bien couverts, et ainsi de suite. Donc, voilà, je pense qu'il faut véritablement penser à ça, quoi. C'est-à-dire que des gens comme Trump, c'est comme Berlusconi avant en Italie, bon, on a quand même ce paradoxe qu'on a des milliardaires, des milliardaires, des hommes d'affaires milliardaires, voilà, qui, surtout un homme comme Trump qui a même pas fait sa fortune lui-même, quoi, qui est uniquement un fils de milliardaire, quoi. Voilà, on a ces gens qui, paradoxalement, représentent le peuple souffrant, mais ils représentent d'abord, je crois, véritablement tout ce monde de gens et de gens aisés qui ne supportent plus l'égalité, qui ne supportent plus de payer. Bon, on peut penser à ce qui se passe dans mon pays, par exemple, avec l'évasion fiscale, quoi. Le nombre de riches qui, s'arrangent pour pour avoir leur fortune à l'étranger, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de raison qu'ils donnent de l'argent, quoi, qu'ils donnent de l'argent pour les pauvres, qu'ils donnent de l'argent pour aider la collectivité. Et ça, je crois qu'il faut, il faut bien avoir ça en tête. C'est pas le cas de Monsieur Depardieu, hein, par hasard? De beaucoup de gens qui disent que on quitte la France, c'est plus possible. Mais bon, ils quittent d'abord la France parce que c'est mieux d'avoir l'argent à l'étranger, quoi, dans les pays où on paye moins d'impôts qu'en France. Est-ce qu'il aurait une importance de redonner un autre sens au populisme pour mettre, en garde, par exemple, les Mexicains, l'année prochaine, on aura des élections. Oui. Il faudra redonner un autre sens au populisme. Il faut insister sur ce qu'on peut penser sur le populisme pour ne pas tomber sur cette belle parole. Ou bien on les laisse seulement, le populisme, comme un travail de recherche pour les philosophes, les sociologues. Il faut aller plus loin de l'université, par exemple. Je pense que dans la population, je parle de Mexicains, le populisme, c'est il faut donner beaucoup des allocations, il faut pas donner tous les capitaux aux entreprises. Oui. Et on a les candidats qu'on peut identifier au populisme. C'est le cas contraire d'un populisme qu'on peut voir dans les électeurs de Donald Trump. Mm-hmm. Mais on a déjà ce contexte tout près de nous l'année prochaine, je vous dis. Est-ce qu'il y aura une bonne manière, à part la philosophie, à part de dire ça, ce n'est pas le populisme, ou ça, ça a été le populisme pendant des siècles, pendant, c'est pas le même populisme chez les marxistes que chez les ouvriers du début du XXe siècle. Il faut insister sur redonner un autre sens au populisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense plutôt qu'il faut insister pour redonner un autre sens à la démocratie, si vous voulez, quoi. Je pense qu'il faut plutôt insister sur la nécessité véritablement de, si c'est possible, hein, après tout on n'en sait rien, de créer, de maintenir des formes de démocratie active qui ne passe pas par l'État, parce que bon, bien sûr, on sait bien qu'il peut y avoir des candidats qui disent bon, ben on va donner plus d'allocations aux gens qui souffrent, on va donner un petit peu plus à ceux qui ont besoin, on va essayer de contrôler un peu mieux l'économie, mais bon, je crois qu'on ne peut pas trop faire confiance à l'État. Enfin, je veux dire, malgré tout, on a quand même l'expérience de ce qui est arrivé dans les dernières décennies, quoi, dans beaucoup de pays du monde, quoi, où des États qui étaient censés un petit peu protéger leur population contre, justement, l'omnipotence du capital, contre l'omnipotence de la richesse. Bon, petit à petit, malgré tout, ces États qui avaient une part dans l'économie
l'économie de leur pays, qui avaient une part dans l'organisation d'une redistribution des richesses, quoi. Bon, petit à petit, tous ces États ont malgré tout liquidé, justement, tous ces programmes. Un peu partout, on a vu disparaître les entreprises publiques, se réduire les services publics. On a vu toutes les entreprises de privatisation, donc l'État privatisant, l'industrie délocalisant. Donc voilà, on a quand même vu les États un peu partout participer à une espèce de destruction, justement, du tissu politique et social solidaire, quoi. Alors bon, on a vu par ailleurs, du même coup, bon, une corruption grandissante un peu partout, de plus en plus, malgré tout, la logique des hommes d'État devenir à peu près la même que la logique des gestionnaires du marché, quoi. C'est bon. Voilà. Alors bon, je crois que on ne peut pas malgré tout avoir trop confiance, surtout des élections présidentielles. Bon, ben voilà, on donne tout pouvoir à un homme, hein, on donne pouvoir à un homme qui est censé être un symbole, quoi. Mais bon, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu dérisoire à s'imaginer que un pays va déléguer tout son pouvoir à un candidat qui serait supposé être vraiment l'incarnation du peuple, les choses vont se résoudre. Non, il faut que véritablement il y ait des forces qui soient démocratiques à l'écart, autonomes par rapport aux partis qui visent simplement à occuper le pouvoir d'État ou à avoir telle ou telle place finalement dans l'establishment. Bon, c'est pour ça, bon, je crois que, bien sûr, il y a actuellement une grande faiblesse de tout ce qui est mouvement autonome un peu partout dans le monde. Ben, on a vu, bon, à la fois donc l'espèce d'efflorescence du mouvement, des places, des occupations, et puis, bon, bien sûr, il n'en reste pas grand-chose, quoi. Il en reste quand même des choses comme ce qu'on a appelé les espaces sociaux libres qui ont été importants, justement, dans beaucoup de ces mouvements-là, quoi, qui quelquefois les ont précédés, quelquefois les ont prolongés, quoi, qui sont justement des espèces, je dirais, comme d'institutions, mais d'institutions, on peut dire, bon, autonomes, s'occupent à la fois de, éventuellement de production, d'échanges économiques, d'information, d'éducation, de soins de santé, quoi, qui sont à la fois des instances de pouvoir collectif, et puis en même temps comme des espèces de formes de vie qui soient à l'écart de la logique dominante du capital. Et même si ces institutions sont faibles, pour moi, c'est quand même de ce côté-là qu'on peut espérer quelque chose, quoi, beaucoup plus que du côté de ce qu'on appelle le populisme, à savoir des politiques qui déclarent que bon, ils vont être pour le peuple contre les puissances financières. Bon, on a quand même un parti supposé populiste qui est au pouvoir en Grèce, hein, bon, qui n'a pas véritablement, il n'a pas vraiment protégé son pays contre les demandes de l'Union européenne et puis de l'AMF. Voilà. Alors, je pense pas qu'il faille chercher un bon populisme. Mais il vaut mieux essayer de penser que des formes autonomes de démocratie, quoi, même si c'est faible, quoi. Je pense que dans votre livre, vous préférez toujours de parler des ruptures plutôt que des révolutions. Est-ce que ça donne une autre effectivité, une autre puissance pour votre position, parler plutôt des ruptures et pas des révolutions? Moi, je n'ai rien contre le mot de révolution, mais je veux dire que la question, c'est savoir ce qu'on entend par une révolution, quoi. Les révolutions, on peut dire, bon, historiques, qui ont eu lieu historiquement, quoi. Ça a d'abord été des ruptures temporaires, quoi. C'est-à-dire que toute une révolution, on fait toujours comme si c'était l'aboutissement d'une sorte de processus à long terme préparé par des partis avec une stratégie, et ainsi de suite. Mais bon, on sait que c'est pas vrai, quoi. Même 1917, même si Lénine avait sa stratégie, bon, il était bon très 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 loin à Zurich ou à Capri, voilà, il est arrivé quelque chose en Russie qui était comme une espèce de conjonction de mouvements de protestation ouvrière, avec surtout justement des femmes, des ouvrières au premier plan, de protestation aussi au sein même de l'armée, quoi. Voilà, donc en fait, si on passe à ce qui se passe en 1917, il faut bien
bien penser que c'est pas les bolcheviks qui ont créé la révolution 1917. Ils en ont récolté les résultats, mais d'une certaine façon, ils étaient pour rien, on peut dire, dans le processus qui a fait que quelque chose s'est passé, quoi. La plupart des révolutions, il faut quand même penser que ce sont des moments, quoi. Ce sont des moments, à savoir, il y a quelque chose qui se passe qui justement n'est jamais ce qui était prévu, quoi. Il y a des gens qui prétendent que la révolution de 1789 en France, il y a des causes profondes et ainsi de suite. Non, finalement, il y a tout d'un coup comme une espèce de conjonction entre une espèce de mouvement qu'on peut dire bourgeois pour, au fond, non, en quelque sorte, constituer un peuple sur des bases légales et puis, disons, des mouvements populaires. Et puis, surtout, il y a une espèce de dynamique interne des mouvements, des moments révolutionnaires. Le temps révolutionnaire, c'est pas du tout le temps normal. C'est un temps, tout d'un coup, il y a des choses qui s'arrêtent, les activités s'arrêtent, il y a des espèces de dynamiques qui s'accélèrent. Donc voilà, moi je crois qu'il faut bien penser que les révolutions, historiquement, si on pense à ce que ça veut dire, quoi, ça a voulu dire des choses qui sont arrivées à des moments donnés, qui généralement n'étaient pas attendues ou pas telles qu'on les attendait, et qui ont véritablement tout d'un coup créé des scènes particulières. Tout d'un coup, bon, ben, là où il y avait pratiquement rien, il y a comme une espèce de scène publique qui s'organise. On peut penser aussi à toutes les formes, disons, de mouvements ouvriers, d'organisations d'usines, d'associations ouvrières qui ont eu lieu comme ça dans les révolutions des siècles passés, quoi. Voilà, donc je crois que réellement, si on est sérieux, même si les gens disent la révolution, c'est pas la révolte, c'est pas les ruptures éphémères. Non, les révolutions, fondamentalement, ont été des moments. Alors, des moments plus ou moins longs. Hein. Il y a des révolutions qui ont duré 3 jours. Il y a une révolution en France en 1830 qui a duré 3 jours. Quoi. Mais cette révolution qui a duré 3 jours a été très, très importante pour véritablement créer quelque chose comme une espèce de scène politique républicaine, une espèce de conscience politique républicaine en France, par exemple. Voilà. Et donc, il faut bien penser que, y compris les révolutions, bon, la révolution... La révolution soviétique de 1917, bon, c'est d'abord quelques mois en quelque sorte où tout un ordre ancien s'écroule, quoi. Ça veut dire qu'il se crée comme une scène nouvelle, des capacités nouvelles, des acteurs qui arrivent sur la scène, une espèce justement de chamboulement de tout ce qui était les positions normales, où il y a ceux qui gouvernent, ceux qui sont gouvernés, ceux qui pensent, ceux qui travaillent, le monde de la politique, le monde du social, le monde de l'économie. Donc voilà, c'est ça d'abord des révolutions, je crois. Et puis après, bon, bah, disons, il y a des formes d'État qui éventuellement essayent d'institutionnaliser la révolution. Mais fondamentalement, des révolutions, c'est toujours des ruptures. Hein. Des ruptures plus ou moins longues et qui créent des temporalités qui sont différentes. Donc je pense que, oui, s'il y a toujours de la politique, c'est parce qu'il y a eu des révolutions qui ont créé des temporalités différentes. Je crois beaucoup, si vous voulez, qu'en politique, ce n'est pas simplement des questions de forces qui s'opposent. Hein. C'est véritablement des questions de temporalité qui sont différentes. Bon, il y a une temporalité normale où chacun est à sa place. Il y a ceux qui travaillent de leurs mains, ceux qui travaillent avec leur tête, ceux qui gouvernent, ceux qui sont gouvernés, ceux qui s'occupent d'économie, ceux qui s'occupent de politique. Et puis, voilà. Et puis, il y a une temporalité politique différente qui, véritablement, naît justement de moments de rupture, quoi, et qui prolonge ces moments de rupture. Donc, voilà, moi, je ne suis pas un fanatique de la rupture, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement violent et agité, quoi. Mais je pense qu'il faut vraiment penser que le conflit politique, c'est aussi un conflit de temporalité. D'accord. Vous appelez vous-même... plutôt un anarchiste que dans le sens particulier. Je pense qu'il faudra faire une précision sur ce concept. Mais vous parlez justement des moments de rupture. Et je pense que les moments de rupture, c'était très important dans cet article que vous avez apporté dans le livre de l'idée du communisme. Votre article s'appelle... communisme sans communiste. Et là, vous parlez justement des moments de rupture, des moments qui vont faire une interruption. Et c'est ce qui m'intéresse là, c'est pour apporter à notre conversation, c'est l'idée d'émancipation, bon, l'idée d'une
émancipation comme forme d'action, que vous dites, et que peut être transmettre d'individu à individu à l'infini, quand vous le prenez à votre temps de Jacques Toth. Et pour dire finalement que une société ne peut pas être jamais émancipée. Alors, on reste sur le champ des moments, des ruptures, des interruptions, mais penser au-delà de ça, ça c'est déjà autre chose. Bon, l'idée que tout le monde peut être émancipé dans une société sans qu'elle soit émancipée, bon, effectivement, c'est ce qui est au fond du paradoxe de l'émancipation intellectuelle de Joseph Jacotot. Bon, donc Joseph Jacotot, une sorte de, disons, de, un peu de pédagogue extravagant français, donc de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, bon, qui en même temps, je crois, a mis en place quelque chose de très très important, quoi. Même si finalement, après ça, ça a complètement disparu, ça a été quand même quelque chose d'important dans la pensée de l'émancipation à son époque, qui a quand même été le XIXe siècle, on peut dire le grand moment de la pensée de l'émancipation. Parce que qu'est-ce que c'est que l'émancipation? Ça veut dire que l'égalité, c'est pas quelque chose qui est à venir pour plus tard, lorsqu'on aura un parti qui aura bien fait la révolution, lorsqu'on aura fait une accumulation primitive, et puis qu'on aura les bases, voilà, du communisme. Non, l'idée de l'émancipation, c'est l'idée que l'émancipation, ça commence au fond n'importe quand et n'importe où. Donc c'est que l'émancipation, c'est d'abord comme une espèce de décision de vivre, qu'on peut dire selon un principe égalitaire. C'est d'abord donc au fond comme une espèce de transformation, et c'est une transformation qu'on peut la penser aussi comme individuelle. Bon, dans mon travail sur l'émancipation ouvrière en France, bon, j'avais insisté là-dessus sur le fait que l'émancipation ouvrière, c'est pas simplement des ouvriers qui se mettent ensemble pour dire on va lutter pour travailler pas plus de tant d'heures par jour pour avoir des meilleurs salaires. C'est d'abord des gens qui disent on veut vivre d'une certaine façon dans un monde qui ne soit pas un monde à part. On nous fait un monde à part. La journée de travail, c'est pas simplement le fait que ça dure très longtemps et qu'on est mal payé. Ça veut dire que véritablement on nous construit un temps à part, et au fond toute une forme de vie qui est une vie à part, quoi. Et au fond d'une certaine façon on participe pas à un monde commun, qu'on est enfermé dans un monde particulier, et puis on en sort, on n'a plus qu'à aller se coucher et puis le lendemain matin à recommencer, quoi. Et l'émancipation ouvrière, c'est d'abord le fait de gens qui disent on n'accepte plus d'être simplement des gens qui vont travailler 10-12 heures par jour et puis qui après vont se coucher et recommencer le lendemain, quoi. Au fond, on veut vivre dans un monde qui soit un monde, on peut dire, de potentialité de vie qui soit enrichi, quoi. C'est-à-dire qu'on veut pas simplement être des gens qui travaillent ou même simplement des gens qui travaillent et qui protestent, mais des gens qui participent à toutes les formes finalement d'expérience et de jouissance du monde commun. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui était important, que j'ai essayé de reprendre, à savoir que un mouvement collectif d'émancipation, ça s'appuie aussi sur des mouvements qui sont aussi comme des formes de transformation individuelle, que l'émancipation des travailleurs, c'est pas simplement la lutte des travailleurs, mais c'est le fait qu'eux-mêmes vont s'émanciper par rapport au temps dans lequel on les fait vivre. C'est pour ça que j'avais appelé mon livre « La nuit des prolétaires », parce que ça parle de gens qui décident de pas dormir la nuit, quoi. Bon, ils devraient dormir, et puis non, ils décident de pas dormir, ils décident de lire, d'écrire, de travailler, de se réunir, et donc vraiment de subvertir ce qui paraît comme le moins subvertible, parce que bon, bah, le temps, on n'y peut rien, le jour, la nuit, on n'y peut rien, hein. La fatigue, on n'y peut rien, quoi. Et ils décident qu'on y peut quelque chose. Donc on peut reprendre du pouvoir individuel sur sa vie, quoi. Et au fond, il y a un lien très fort entre reprendre du pouvoir individuel sur sa vie et puis reprendre du pouvoir collectif comme collectif sur l'organisation de la vie collective. Bon, alors ça, bon, bien sûr, ça veut dire que l'émancipation, c'est d'abord un processus, quoi. Et un processus qui, en un sens, est sans fin, quoi. Alors, effectivement, dans l'émancipation intellectuelle de Jacotot, il y a cette espèce de paradoxe. Justement, ça se transmet, l'émancipation se transmet, mais la société elle-même, disons, comme ensemble d'institutions et d'organismes, ça reste toujours comme une espèce de corps pesant, bon, qui ne pourra jamais être émancipé. D'une certaine façon, on peut dire que c'est un peu désespérant, mais il a raison, quoi. Enfin, on a eu des mouvements d'émancipation, on en a toujours. On a toujours des mouvements qui essayent de créer des formes de vie égalitaires, des formes de vie enrichies pour tous, quoi. Et bon, mais une émancipation globale de la société, ben, on l'a pas eu. Donc je pense que finalement,
il y a toujours tendance à dire « mais tout ça c'est bien joli, mais le monde reste tel qu'il est ». Mais non, c'est pas vrai d'une certaine façon, quoi. Je pense que l'émancipation, ça consiste aussi à organiser déjà des formes de vie, des formes de pensée, des espaces de vie et de pensée qui soient différentes, y compris au sein d'un monde qui par ailleurs est globalement organisé par la domination, quoi. C'est ce que j'ai essayé de dire, bon, dans ce colloque dont vous parlez, c'était un colloque sur le communisme, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais vraiment, ça ne va pas bien, la démocratie, c'est pourri, donc il faut remettre le communisme à l'ordre du jour, quoi. Et il faut prendre le pouvoir, et d'accord, moi je veux bien, mais comment ils vont prendre le pouvoir? Comment ils vont organiser une société communiste qui n'est pas le triste destin disons, des sociétés dites communistes qui ont été créées, qui ont été créés en Russie et en Chine, c'est quand même un problème, quoi. Je crois qu'on est effectivement dans une situation où, en réalité, malgré tout, le choix est un peu beaucoup entre finalement participer à l'ordre dominant, qui remet aux stratégies des partis, disons, l'avenir. Ou bien ce qu'on pourrait appeler une logique anarchiste qui consiste à dire on n'attend pas, on s'organise, on essaye de vivre dès maintenant différemment. D'accord. Et vous venez de mentionner anarchisme. Vous pouvez un petit peu donner l'idée d'anarchisme que vous avez, la proposition, juste pour éclairer le sujet. Bon, alors bon, anarchisme peut vouloir dire bien sûr beaucoup de choses. On sait que anarchisme, ça a voulu dire des mouvements, et notamment des mouvements ouvriers très très puissants entre la fin du 19e siècle et puis le milieu du 20e siècle dans beaucoup de pays. On peut dire que d'une certaine façon, la guerre d'Espagne, disons, et la destruction un petit peu du mouvement révolutionnaire en Espagne, ça a été peut-être un peu comme la fin du grand moment, on peut dire, de l'anarchisme comme un mouvement social puissant, quoi. Il y a des petits mouvements qui continuent à se dire anarchistes, qui n'ont pas beaucoup de poids sur la société, quoi. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose qui est, au fond, l'anarchisme comme simplement l'idée qu'il n'y a pas de groupe social qui soit destiné à gouverner les autres. Au fond, l'anarchisme, c'est quoi ? Au fond, c'est l'idée que fondamentalement, il n'y a aucun fondement à la distinction entre gouvernant et gouverné, quoi. C'est pour ça que j'ai dit l'idée même de la démocratie en son principe est une idée anarchiste. C'est-à-dire que l'idée démocratique, c'est pas l'idée que le peuple au sens de la population ou le peuple au sens de la majorité de la population doit exercer le pouvoir. L'idée anarchiste, c'est l'idée démocratique, c'est fondamentalement l'idée que, au fond, le pouvoir est exercé paradoxalement par ceux qui n'ont aucun titre particulier à exercer le pouvoir, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui est ce que j'ai essayé de développer avec l'idée justement de la démocratie qui n'est pas tellement une forme où en quelque sorte on définisse le groupe qui doit exercer le pouvoir, mais en disant que la démocratie c'est d'abord une pratique qui met en œuvre cette capacité qui est la capacité de n'importe qui. Alors ça c'est une seconde chose, et puis il y a une troisième chose qui est en quelque sorte comme un retour des thématiques anarchistes dans le monde contemporain, quoi. Si on prend justement ce qui s'est passé autour des différents mouvements qui ont eu lieu dans les 10 dernières années, les mouvements d'occupation, de rassemblement sur les places, depuis le printemps arabe jusqu'à Nuit debout à Paris, donc en passant par des mouvements célèbres. Bon, on a vu se revenir au premier plan des thèmes qu'on peut dire anarchistes, au sens de organisons-nous nous-mêmes et essayons de produire dès à présent des formes de vie. Alors ça, c'est une par ailleurs aussi, on sait aussi que souvent on appelle anarchistes simplement des gens qui veulent s'opposer violemment, donc effectivement genre Black Bloc, qui sont au premier rang dans les manifestations pour essayer de les transformer en affrontement avec la police. C'est aussi un sens du mot anarchiste. Mais je crois que fondamentalement, la thématique anarchiste qui est revenue assez fortement dans les mouvements démocratiques récents, c'est beaucoup plus l'idée finalement d'autonomie, de constituer des espèces de, disons, de,
institution ou une institution non institutionnalisée, quoi, justement, des choses comme ces fameux espaces sociaux libres, quoi. On peut penser aussi à ces espèces de communes qui ont pu se créer autour de situations particulières, par exemple. Bon, en France, il y a ce grand mouvement autour d'une sorte de région agricole qu'on essaye de transformer pour y créer un aéroport international, quoi. Alors, il y a tout un mouvement qui s'est créé et une espèce de commune, en quelque sorte, au sens de la commune de Paris, quoi, de Marx, enfin, dont parlait Marx, qui s'est constituée là. Alors, on a effectivement des espèces de petites cellules, et ça arrive dans pas mal d'endroits, comme ça, autour d'un problème particulier, comme une espèce de forme de vie globale où des gens sont à la fois, prennent en charge, dire, la vie collective dans ces dimensions à la fois de, disons, matériel, de vie tous les jours, quoi, et puis dans cette dimension de information, éducation, et puis disons rôle sur la scène politique globale. Donc je crois que oui, il y a une espèce de renouvellement de l'anarchisme en ce sens-là, à savoir justement de penser des formes d'action politique qui sont des formes d'action politique qui ne passent plus par des partis destinés à prendre du pouvoir ou à prendre le pouvoir, mais par des institutions autonomes qui, en même temps, sont les institutions qui brisent un peu les frontières entre ce qui est le politique, le social, l'économique, mais aussi le politique et puis le caritatif, le politique et puis les soins à donner aux gens. Je crois que c'est ça qu'on peut appeler anarchisme aujourd'hui et qui effectivement, je pense, reprend une vigueur assez importante aujourd'hui. Bien sûr. Anarchisme et principe d'égalité, je pense que ça vient ensemble. Oui. Il n'y a pas une raison pour à une personne particulière, oui, dans l'instruction aux autres, oui, qui ne savent pas. Oui. Et dans ces cas-là, il y a des lecteurs de vos livres qui ont pris quand même l'action. Ça me vient à l'esprit un petit peu le comité invisible. Oui. Et comment faire face aux actions des comités invisibles pour dire, écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'entendez pas très bien mes idées, ou bien plutôt de les laisser faire. Parce que je crois que l'insurrection qui vient, maintenant, c'est l'autre titre du comité invisible qui vient d'apparaître. Et il utilise beaucoup vos idées. Enfin, pas tellement. Enfin bon, il y a un certain nombre de, peut-être éventuellement de convergences, mais malgré tout, ce sont des... Non, il n'y a pas beaucoup d'inspiration directe, disons, et pas non plus de relations directes. Donc, je ne pense pas du tout que le comité invisible, ce soit des gens qui cherchent à appliquer mes idées, même si, effectivement, on peut dire que le comité invisible fait partie, peut-être, d'une sorte de mouvement, de mouvance anarchiste au sens large qu'on venait un petit peu d'évoquer. Le mouvement invisible, en fait, je pense que leur politique est beaucoup plus inspirée par les idées de Giorgio Agamben, à savoir l'idée du qu'ils appellent le pouvoir destituant, quoi. Le pouvoir destituant, à savoir finalement une idée de sécession, quoi. C'est-à-dire au fond, il y a dans effectivement ce qu'on peut appeler l'anarchisme contemporain, cette idée, oui, de justement on monte plus tellement à l'assaut du pouvoir d'État, mais plutôt on fait sécession, quoi. C'est un aspect du problème. Maintenant, je pense qu'une structure comme le Comité invisible, par rapport à cela, est un petit peu je dirais à cheval entre deux logiques qui sont des logiques opposées, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, ils sont dans une logique de la sécession. Bon, ils avaient créé comme une espèce de commune dans une région agricole de France, où voilà, ils vivaient un peu en communauté, ils faisaient eux-mêmes leur pain. Enfin voilà, il y avait ce côté-là, en quelque sorte, communauté de vie en même temps que communauté politique, quoi. Mais en même temps, je pense que ils sont aussi dans une logique qu'on peut dire qui est une logique de une logique de l'insurrection qui va s'emparer d'une situation. Bon, malgré tout, dans les textes du comité invisible, il y a une sorte de foi dans un certain type de description du monde capitaliste contemporain
que bizarrement il partage avec, au fond, avec des gens qui sont beaucoup plus à droite, quoi. Au fond, il y a actuellement une sorte de critique du capitalisme qui décrit le monde capitaliste comme un monde complètement pourri, qui est en train de s'effondrer, qui va s'effondrer, ce qui fait que, au fond, bon, alors il y a des gens de droite qui disent attention, le monde capitaliste, c'est un monde où les liens sociaux se défont, où les individus sont complètement individualisés, c'est la démocratie de masse, c'est la consommation, c'est le spectacle, et ainsi de suite. Il faut réagir, restaurer les valeurs républicaines. Voilà, ça c'est une. Ça, et puis en face, il y a, disons, des gens qui prennent les mêmes thèmes catastrophistes. Mais avec l'idée, c'est bon pour nous, quoi. Avec l'idée, c'est bon pour nous. Donc, je crois qu'il y a tout, disons, le comité invisible, typiquement, fait partie de ce type, je dirais, de pensée révolutionnaire qui, en même temps, est fondée sur cette espèce de description catastrophiste du monde. Au fond, le capitalisme va s'effondrer, c'est clair, on va vers le néant, on va vers le, c'est le nihilisme. Derrière tout ça, finalement, il y a une... disons, au fond, il y a Nietzsche, en fait. Hein. D'ailleurs, tout ça, il y a Nietzsche. Si vous pensez à Zarathoustra, dans Zarathoustra, il y a cette description un petit peu de, disons, du dernier homme, quoi. Hein, du dernier homme comme l'homme, justement, qui est formé par la société démocratique contemporaine, qui vit comme ça dans le confort, dans une espèce de médiocrité, de débilité profonde, quoi. Voilà, une espèce, donc, de fin du monde, quoi. Et bon, paradoxalement, effectivement, je dirais qu'il y a beaucoup de mouvements bon, de gauche, gauchistes, révolutionnaires, qui ont repris cette vision en quelque sorte, disant voilà, le capitalisme nous fait vivre dans une espèce de monde de la corruption, de la pourriture généralisée, tout ça va s'effondrer, et à ce moment-là, bon voilà, il faut se préparer, quoi. Il faut se préparer à être, disons, à être là le jour où tout va s'effondrer, à prendre les banques en main, à prendre les postes et les bâtiments en main. Donc voilà, il y a quand même une espèce de bizarre, de ce qu'on pourrait appeler une espèce de bizarre nietzschéo-léninisme, quoi, si vous voulez, quoi. Au fond, on s'appuie sur une description nietzschéenne du monde pour proposer quelque chose comme une espèce de néo-léninisme de l'insurrection, quoi. Voilà, donc je crois que c'est quand même très différent, quoi. Enfin, disons, la perspective du comité invisible, et bon, pour moi, c'est quand même une pensée extrêmement contradictoire, parce que d'un côté, ça appelle à une espèce de sécession qui trouve son écho dans les mouvements des places, quoi. Et de l'autre, ça trouve son écho dans justement les mouvements de ces petits groupes qui se mettent, disons, en tête des cortèges, lors des manifestations, avec l'idée de voilà, on va attaquer la police, on va casser des magasins, et ça va créer un mouvement de masse, et puis peut-être la révolution, quoi. Une illusion, peut-être. Hein? Une illusion, toujours. Et bon, j'aimerais continuer, mais je crois qu'il y a toujours des questions qu'on pouvait vous poser. Mais malgré tout, je pense qu'on a quand même discuté un petit peu sur les sujets qui nous intéressent, qui sont des enjeux actuels. Mmh. Et pour finir seulement, est-ce que vous considérez toujours comme un philosophe qui a été formé sur les marxismes, mais que maintenant, vous préférez laisser tout ça juste sur les côtés et continuer à parler d'autre chose? Bon, disons que... Bon, bien sûr, j'ai été formé... En particulier par le marxisme, mais pas seulement, parce que finalement, dans toute formation, il y a beaucoup de choses qui se mêlent, quoi. Bon, bien sûr, j'ai tout un passé marxiste, bon, fondamentalement, malgré tout, si je pense que le marxisme peut rester, disons, assez souvent, bon, bah, disons, quelque chose comme un instrument de pensée fort, quoi. Bon, par exemple, le marxisme nous rappelle que la lutte des classes, ça existe, quoi. Bon, ça, c'est quelque chose, je dirais, d'incontournable par rapport aux descriptions qu'on a du monde actuel qui nous disent, voilà, bon, ben, il y a une espèce d'évolution historique nécessaire des choses, ça peut être que comme ça. Et puis, bon, le marxisme nous rappelle que derrière tout ça, derrière cette description d'évolution des sociétés, il y a fondamentalement une guerre qui se mène, quoi. Et bon, donc, de ce point de vue-là, c'est, disons, le marxisme reste d'actualité. Bon, par ailleurs, disons, le marxisme, effectivement, on sait ce qu'il est devenu, il est devenu une espèce
espèce de doctrine d'État policier. Donc ça, c'est une chose qui est également incontestable, quoi. Et on sait aussi que le marxisme est aussi devenu aujourd'hui quelque chose d'assez paradoxal, parce que voilà, le marxisme, d'un côté, c'est une mode d'analyse qui nous dit de toute façon, il faut tout changer pour changer quoi que ce soit, donc il va falloir organiser le parti, prendre le pouvoir, et ainsi de suite, quoi. Et puis en même temps, je dirais, le marxisme est devenu beaucoup une doctrine qui nous dit, de toute façon, le capitalisme triomphe toujours, chaque fois qu'il y a un mouvement, justement, un petit peu de lutte, de révolte, il y a toujours, effectivement, les stratèges marxistes qui sont là pour dire, mais tout ça n'est rien, tout ça est manipulé par le capital, ceux qui luttent contre le capital sont eux-mêmes manipulés par lui, ce sont des révoltes individualistes, éphémères, intégrées, tant qu'on n'aura pas tout changé, rien ne changera. Et en même temps, on voit bien qu'au fond, ça devient une logique fataliste, quoi, à savoir, au fond, le marxisme aujourd'hui est une doctrine qui dit rien ne changera parce qu'il faudrait que tout change pour que ça change, quoi. Donc, par rapport à ça, j'essaye, moi, de me maintenir plutôt au niveau de la pensée de ce qui change, quoi. Donc, par conséquent, voilà, moi, ce que j'ai essayé. Mon travail, ça a quand même été toujours un travail qui a cherché à penser dans les révolutions du passé, dans les formes d'émancipation du passé, mais aussi dans les formes d'action présente, dans le monde de la politique, mais éventuellement aussi dans le monde de l'art, dans le monde de la littérature. Voilà, j'ai toujours essayé de penser des moments où il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qui change, quoi. Donc voilà, moi je suis plutôt un penseur de la non-nécessité des choses et de la possibilité des changements, voilà. Professeur Varancière, je pense que maintenant il s'est passé quelque chose ici à l'UNAM et au Mexique. Je vous remercie beaucoup d'être ici, d'avoir accepté l'invitation pour cette rencontre. Merci aussi à l'Université Ibero-Américaine d'amener à bien cette rencontre aussi. Mais merci beaucoup. Et merci à vous tous.